L'Afrique de l'Ouest est l'une des zones avec des niveaux de pêche illégale les plus élevés au monde. Cela coûte à la région environ 2,3 milliards de dollars et 300 000 emplois chaque année. Ces pays sont confrontés aux défis du développement et n'ont souvent pas les moyens de surveiller et de contrôler leur espace maritime. Des millions de personnes à travers l'Afrique de l'Ouest dépendent du poisson comme principale source de protéines. Mais on estime qu'un poisson sur trois capturé dans la région est pêché illégalement. Le Sénégal ne fait pas exception. La pêche y joue un rôle important dans la vie économique et sociale, en contribuant à la création d'emplois, à la sécurité alimentaire, à la création de richesses et à la réduction du déficit commercial. En dépit d'être un secteur critique pour l'économie sénégalaise, la pêche est en crise. La surexploitation des populations de poissons et les activités de pêche illégales sont une réalité. Ces phénomènes menacent la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance de milliers, voire de millions de personnes. Selon les organisations de la société civile, le manque de transparence dans le secteur de la pêche contribue à cette situation et facilite cet effondrement. Les données gouvernementales sont difficiles d'accès et complexes à comprendre. Les petits pêcheurs se disent sous-représentés dans les instances de prise de décision dont ils critiquent parfois l'opacité. Ces phénomènes sont d'autant de freins potentiels aux efforts déployés par le Sénégal pour lutter contre la pêche INN et garantir des pêches durables. L'ONG Environmental Justice Foundation, en partenariat avec le ministère des Pêches et de l'Économie maritime, le partenariat régional pour la conservation de la zone côtière et marine et TrickMat Tracking s'associent dans un nouveau projet pour renforcer la lutte contre la pêche INN au Sénégal grâce à une meilleure gouvernance et transparence des pêches. Le projet, gracieusement financé par Ocean 5, visera à améliorer le partage d'informations, la transparence, à accroître la participation des parties prenantes et à promouvoir des inspections et un contrôle robuste des navires de pêche au port de Dakar. En promouvant activement l'adoption de mesures de transparence essentielles, telles que la publication de la liste des navires autorisés et l'inclusion des parties prenantes, nous pouvons fermer la porte aux opérateurs peu scrupuleux et garantir ainsi une pêche véritablement durable pour les générations futures.